Ce résumé vous est présenté par Heineken et Oppo. Sponsor de l'UEFA Champions League. C'est beau, c'est beau. Et il y a Mignolet, mais magnifique numéro personnel. Hein. Et Diaby, il régale une fois, deux fois, la frappe dans la foulée. Mignolet pour récupérer premier danger. Ah, il est passé là, il est passé. Incapié, le centre en première zone. Oh, c'était dangereux. On l'a négocié sur la droite. Kosunu, quand même toujours une forte densité hein, dans les 20 derniers mètres avec une tentative et le poteau. C'est sauvé par Mignolet. C'est pas terminé avec Otsonodoy. Otsonodoy qui donne en retrait à Diaby. Et là, Diaby il se retrouve au sol. L'arbitre, je n'ai pas encore finalement cité, l'arbitre bosnien Pelchton ne siffle rien, tant mieux. Énorme situation là pour Leverkusen. En première zone, avec une déviation et un but. Le voilà, le but pour Bruges. 1-0 et c'est super. C'est le gamin, c'est Silla qui marque. Exceptionnelle histoire de ce jeune Ivoirien qui marque un premier but en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on est content pour lui. Ouais. J'espère que le but va compter hein, parce que je vois déjà là des réactions du côté allemand. Silla, 1-0. Le Bayer qui va tenter dans ces trois dernières minutes du temps réglementaire de revenir dans cette rencontre avec encore ces mouvements rapides. Et là, il y a une frappe qui va arriver de la part de Bakker. Oh, c'est parti fort. Comment ce ballon n'est pas rentré? Je ne sais pas. Et pourquoi pas encore apporter un petit danger. Allez, juste avant la pause, tant qu'on y est, Van Aken. Van Aken, le centre est... Ouais. Pas spécialement mauvais, il n'y a personne pour reprendre. Si, il y a Sowa. Cette fois-ci, c'était un beau geste de la part de Sowa. Mais cette fois-ci aussi, Radeki est au bon endroit. Ouais. Ouais, ce quatrième quart d'heure est important, hein. Il faut bien le négocier, vous allez me dire comme tous les quarts d'heure, mais ici, très clairement, il ne faut pas que Leverkusen revienne rapidement dans ce match avec ce ballon qui est dévié. Oh là 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 là. Je vous avoue que j'ai eu peur. Oui. Ouh, ouh, ouh. Ah non. Que c'est dommage parce que j'avais le sentiment qu'il allait pouvoir toucher ce ballon meilleur. Mal fait de la part de Lozay qui est là, il y a de la place, il y a surtout énormément de monde dans la boîte. Oh là 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 là. Il faut tenir tête et surtout dégager de la tête face aux joueurs de Leverkusen, c'est le cas. Et un nouveau ballon qui va revenir, hein. Ce sont vraiment des ballons pas spécialement agréables à jouer, d'autant plus qu'il y a de la taille en face avec Tarn notamment. Et ça rentre. Et ça rentre, on sentait ce ballon venir. Est-ce que c'est Chic qui dévie? Je pense que oui, l'égalisation. Mais pour moi, il y a hors-jeu de Tac qui participe clairement à la phase parce qu'il gêne Silla dans sa battue. Est-ce que là, on siffle aussi une poussée la poussée de Silla, pour moi, elle... Il y a une poussée sur Silla. Il l'annule, il l'annule.
Bruges qui s'expose à un contre, un énième contre, et ce ballon qui passe à côté. Avec Demir Bay ou pas. Non, il est ça, son coéquipier Mignolet va le chercher. La tentative lointaine de Lozec, Simon Mignolet. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Oppo. Sponsor de l'UEFA Champions League.